Franchement, je fais une déclaration d'amour au pamplemousse. Il m'en reste encore trois après celui-là. Ils sont en pleine forme. Si vous avez des pamplemousses autour de vous, mais courez, allez en acheter. Mangez-en. C'est le paradis. Un goût de frais, une saveur de... Oh. Ça... C'est le meilleur remède contre tous les maux là. Je suis au top. Le vent m'énerve. Mais alors mon pamplemousse, avec lui, rien ne peut m'arriver. J'ai une relation toute particulière avec les pamplemousses parce que quand j'étais en prépa, j'avais un petit problème de diction avec le stress si je mâchais mes mots. Et à l'oral, ça donnait parfois des trucs bizarres. Et mon prof de philo français culture G s'était ouvertement foutu de ma gueule parce que quand je disais par exemple, il trouvait que je disais pample au lieu de par exemple. Et du coup, il m'arrêtait en plein milieu de mes oraux à chaque fois pour faire pamplemousse. Il n'était pas hyper gentil. Monsieur Caquet, si vous m'entendez, c'était pas très sympa. Donc voilà. J'ai une petite revanche à prendre sur les pamplemousses parce que c'était des moments de solitude horribles. Vu de là où je suis maintenant, j'en ai rien à faire. Mais à l'époque, je sortais à moitié en pleurs, c'était horrible. Voilà. Vive les pamplemousses.